avec Monsieur Duny, le président de la Société des courses de Pompadour. Président, la réunion vient de s'achever. Que peut-on dire du bilan de la journée du 15 août, marquée par la 12e étape du Trophée national du cross à Ras du Lion, le grand cross de la ville brillamment remporté par Volkan Estruval? Génial, on finit en beauté avec James Revely qui fait un parcours incroyable. Alors on regrette les chutes des autres, mais ça fait partie évidemment des courses. Ça vient ponctuer une journée exceptionnelle. On a passé un moment incroyable sur la journée de Pompadour avec d'autres magnifiques courses, avec de belles arrivées, un autre grand cross. Et avec du monde sur l'hippodrome, on était 4000, 5000 personnes aujourd'hui. Tout le monde a passé un bon moment. Et pour un président, de voir d'être entouré d'une équipe aussi compétente que ça, avec un maximum de bénévoles et des gens qui s'investissent tous les jours, c'est génial. Est-ce que vous pourriez faire un petit comparatif avec les autres éditions? On le sait, en 2020, on ne le sait que trop bien d'ailleurs, 2020 et 2021, le Covid est venu s'ajouter à la fête. Est-ce que par rapport à l'an dernier notamment, vous sentez qu'il y a plus de personnes qui sont venues, notamment étrangères pardon? Oui, alors je n'ai pas encore tous les chiffres exacts pour pouvoir vous répondre très précisément sur ce sujet. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a eu beaucoup plus de monde qu'on aurait même imaginé. Donc plus de monde que l'année dernière, ça c'est sûr. On a organisé un pass sanitaire qui permettait à chacun de vivre non seulement donc ce qui se passe aujourd'hui sur l'hippodrome, mais également hier ou encore ce matin au Puy Marmont, donc avec beaucoup de CSO et de belles épreuves de CSO. Tout le monde a pu naviguer dans Pompadour avec le pass, donc je pense qu'aussi cette organisation a permis à tout le monde de venir tranquillement à Pompadour. Et pour l'an prochain, alors, à quoi on peut s'attendre? Encore plus de spectacles, encore plus d'ambiance, encore plus de quoi? Ah, écoutez, après, évidemment, on aimerait bien qu'il y ait 12, 13, 14 partants sur un grand cross. Donc, on continue à travailler sur les pistes pour pouvoir nous assurer et assurer aux propriétaires, entraîneurs, d'avoir des pistes où on peut bien courir l'été à Pompadour. Donc ça fait partie du travail qui nous reste encore, même si beaucoup de choses ont été faites. Mais beaucoup de choses ont été faites. Mais sinon, si on pouvait avoir des 15 août tout le temps comme ça, je signe. Bah, on se voit l'an prochain alors. À bientôt, ok.